Et salut tout le monde, c'est MetzCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série en 1.10, donc j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve en 1.10 comme vous l'avez vu, et on va se faire une nouvelle série donc qui s'appelle Captive Minecraft Winter Realms. Désolé pour mon accent en fait. C'est une map anglaise en 1.10, du coup on peut voir ce que ça fait de jouer en 1.10. À mon avis ça fait pas grand chose je pense, mais du coup on va avoir peut-être les nouveautés de la 1.10. On va aussi on va avoir le PVP de la 1.9, enfin surtout le PVE contre les mobs je pense. Donc on va tout de suite se faire la map. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait une, mince. C'est pas ça. Voilà. Captive Minecraft. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite map solo. En tout cas, moi j'ai bien envie de la faire. Ok, donc on spawn déjà dans un petit univers. Ma foi, plutôt... What the fuck, j'ai entendu un lapin se suicider. Donc on se retrouve dans un petit biome neige et on est enfermé, donc comme vous l'avez vu, dans cette petite barrière. Et notre but en fait dans cette série, ça va être d'agrandir cette barrière et de faire notre petit monde à l'intérieur de ce truc. C'est un petit peu dans le style du bloc divin, donc qui est la première série que j'avais faite sur ma chaîne, et du coup ça m'avait énormément plu. Et donc aujourd'hui on va continuer, enfin on va commencer cette série. Donc le but c'est d'agrandir notre surface en étant dans ce petit carré. Et du coup pour agrandir ce carré il va falloir accomplir des objectifs. Donc c'est parti, on ouvre notre inventaire. Donc vous voyez j'ai obtenu le succès faire l'inventaire. J'ai agrandi la bordure en ouvrant l'inventaire. Donc là il faut attendre que la bordure s'agrandissent d'après ce que j'ai compris dans le comment ça s'appelle dans le truc du monde, enfin comment ça s'appelle ce truc sur Minecraft Minecraft France, voilà. Bon j'arrivais pas et du coup sur Minecraft France on avait toutes les explications, donc j'ai un peu tout lu, j'ai un peu regardé tout pour savoir ce qu'il faut faire dans la map. Alors c'est bizarre parce que il disait que ça s'agrandissait d'un bloc à chaque fois qu'on faisait un objectif. Mais j'ai l'impression que ça se fait d'un demi-bloc. Donc tant pis, hein, on va se faire un autre petit objectif avec ce bois. Hop. Du coup là on va voir de combien ça agrandit. En fait dès que c'est vert c'est que ça agrandit, et dès que c'est bleu c'est que ça a fini d'agrandir. Ok. Alors on va se couper trois petits bois et on va commencer à faire nos petites affaires. Comme ça on va pouvoir faire plein d'objectifs. On va essayer d'agrandir toute notre surface pour pouvoir récupérer les pousses d'arbres. Donc voilà, hop. Donc pour ceux qui veulent jouer en 1.10 aussi, mon pack de textures en 1.10 est dans la description. Donc pour ceux qui veulent, c'est par ici. Hop, donc on a encore agrandi, ça a fini d'agrandir. Du coup, une petite pioche en bois et on va commencer à creuser. C'est parti. On va commencer à creuser ici. On va se faire une pelle en bois en fait parce que ça commence... Je pense qu'il va y avoir pas mal de neige. On va creuser tout simplement parce que je connais à peu près les objectifs et vous voyez que... là c'est il est temps de cultiver à l'attaque et qualité supérieure, donc au lieu de perdre notre bois à faire des outils en bois, on va s'en faire directement des en pierre et on va se faire un petit fourneau. Donc il nous faut de la pierre pour ça, donc on va commencer à creuser. C'est ça. Ok, on a une petite salle. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Attendez. La bordure me fait sauter tout seul, c'est littéralement horrible. Ok, 4 torches, c'est vraiment pas mal. 2 petites pommes, c'est pas mal aussi.
4 pépites d'or, un truc de fou, je les attendais vraiment. Non, je rigole, en fait c'est un peu de la merde. Alors, on va lire ce petit livre de Town Journal Entry. Donc vous savez que mes compétences en anglais ne sont pas extraordinaires. Donc c'est pas grave, on va essayer. Alors, jour 34, une avalanche has buried. Je sais pas ce que c'est. A bloqué peut-être ma sortie pour retourner à la surface. Sans pelle, je n'ai pas le choix de je n'ai pas le choix, mais je dois rester sous le sol, donc je dois rester sous terre avant l'hiver et après ou avant que la glace commence à fondre, en gros. Donc le gars, il est enfermé et il doit attendre que la glace fonde pour pouvoir rentrer chez lui et remonter de la surface. Donc on retourne dans notre abri et apparemment il y a un petit trou qui va nous faire tomber je ne sais où. J'espère qu'il n'y aura pas de mobs qui vont me buter. Sinon je vais être dans le caca. On va prendre notre pioche. Ok. Room of Monuments. C'est quoi ça? Ah oui, j'avais vu ça dans l'article. Là on va appeler ça l'article. Donc apparemment il faut qu'on trouve ces blocs et qu'on les pose ici pour pouvoir compléter les monuments. Et voilà. Du coup, il va falloir qu'on complète les monuments et ça va être cool. Et du coup, dès qu'on va compléter les monuments, je crois que je me souviens que ça nous faisait quelque chose dès qu'on complétait les monuments. Donc on verra bien. Alors on va continuer de descendre par ici. Voilà. Hop, comme ça on a notre petit escalier. On mettra peut-être une échelle à l'avenir, je sais pas. On verra bien. Ah, ok, donc il y a de la cobble. De la cobble. On va commencer à prendre tout. Je vais enlever toute la neige qui est ici, puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, ça me saoule énormément. Ah, mais j'ai compris en fait. Vous voyez que là, ça me fait jumper tout seul. Ça doit sûrement être à cause de 1.10 que j'avais vu. L'auto-jump, saut automatique. Non, c'est extrêmement chiant. Ah, on va pouvoir enfin sauter tout seul. Ouais, j'avais vu ça dans l'1.10 qu'il y avait un truc de saut automatique. Mais non, je préfère sauter manuellement. Ah ok, il y a du gravier ici. On va foutre une torche là. Et on va continuer de prendre un peu de pierre. Donc on va s'en prendre 18, je pense, un truc comme ça peut être bien. Enfin non, une vingtaine peut-être. Enfin, je pense une vingtaine sera bien. J'entends des mobs. Donc on va s'en prendre une vingtaine pour pouvoir se faire des fours et tout là. Donc j'entends des mobs, c'est pas très bon signe. On va voir si on les trouve. On va poser une torche ici. Ok, on en a 10, on va en prendre plus. 11, 12, 13, etc. Ok, on se rapproche. De toute façon, il doit être en dessous vu la place qu'on a. J'ai bien fait de pas tomber là-dedans. On ira un peu plus tard. Heureusement que j'étais en sneak. What the fuck. Il y a tout qui s'en va quand on se met là. Et on peut voir les monuments à travers. D'accord, intéressant. En tout cas, c'est stylé ce petit style de monument. Hop, on va casser ça et on va remonter. Hop, pour se faire encore des objectifs. Donc, on va se faire une pioche comme ça. On va bien attendre que les objectifs, que la bordure finisse de s'agrandir pour pouvoir faire les autres objectifs au cas où ça bug. Je sais pas. Alors, on va se faire une houe ensuite pour faire l'autre objectif et débloquer notre ami le coffre. Allez. Ok, notre ami le coffre est à nous. On a de quoi se faire des pommes d'or avec ça du coup. Non, en fait pas du tout, j'avais pas capté. Alors, on a déjà un plastron en cuir que nous allons nous équiper tout de suite. Comme ça on est un peu plus swag. On a un temps de journal entry. Il devrait mettre des numéros aux journaux parce que moi je sais que je vais confondre tout. Alors, il va falloir que je fasse cuire ça du coup. Donc c'est parti, en attendant. Ouais, je voulais dire en attendant que
Je fasse ça, ça va cuire, donc c'est parti. Alors, on va foutre ça là-dedans. Et on va mettre nos petits objets en bois qui nous servent plus à rien. On va se faire... On va encore casser ça, en attendant que ça cuise vite fait. Et nous faire une hache. Je voulais pas du tout faire ça. Hop, on reprend ceci. Voilà. On se fait une hache. On se fait une épée. Voilà. Ensuite, on se fait... je pense qu'on peut se casser tout. Ouais, on peut se casser tout là. Donc on va casser l'arbre. Ouh, il est grand cet arbre. What the fuck? C'était l'arbre géant. Du coup, on va pouvoir faire cuire un petit peu là-dedans. On va garder des bûches de bois au cas où on a besoin de faire du charcoal. Du charcoal. Hop, alors, jour 18. En fait, on lit les livres dans le mauvais, dans le mauvais ordre, j'ai l'impression. Donc, tant pis, on va... on va dire qu'on a vu lui avant. Jour 18, j'ai finalement... Rachid, je sais pas ce que c'est. Rachid, bon. Cette zone faite sur la map. Aujourd'hui, j'ai passé du temps à faire mon camp. Et donc demain, je pourrai commencer à creuser bah, en dessous de moi, donc creuser le sol, à aller miner en gros. Donc on va se mettre tous nos petits livres qui ne servent à rien dans le coffre. On va pouvoir mettre beaucoup de choses dans le coffre, du coup ça sert à rien, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. On va garder tout ça sur nous. Alors la pioche, on va se la mettre là, comme ça. Comme ça, on aura notre bouffe ici, notre bois ici, et notre houe, bah, elle nous sert à rien pour l'instant, donc ici. Voilà, on récupère tout. On a de la bouffe, c'est cool. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, quel objectif on a à faire? Succès. Il faut qu'on fasse cuire du fer, cuire du poisson. Faire une pomme de noix, je pense que c'est pas pour tout de suite. Tuer un monstre. Ramasser du cuir, faire un gâteau. Ok. En gros, ça c'est pas possible pour l'instant. Ça non plus. Ça non plus. Ça c'est possible. Faut qu'on aille buter les monstres d'en dessous. Ça non plus. Ça, faut qu'on aille trouver du fer et ça non plus, vu qu'on n'a pas de lac, faudra faire celui-là. Donc, en gros, faut qu'on aille buter du monstre. Donc, c'est parti. On va partir, je pense, les gens, sur des épisodes de 20 minutes. Donc, alors, go! Ah oui, c'est vrai qu'il y a là 1.10, what the fuck? Un squelette sans arc. Très bien, j'avais jamais vu ça. Ok, what? Il y a mass mob. Il doit y avoir du spawner là les gens parce que... Oh, je vais prendre cher, je vais prendre cher. C'est tellement horrible le PvE 1.9. C'est assez cool mais c'est assez chaud. Ok, j'ai vu que ça spawn pas mal par là. On met une petite torche et on se casse parce que j'ai vu un creeper. Alors, on va prendre... Ah bah, il y a du charbon ici. Mais je crois que c'est un charbon piégé en fait. On va tomber en dessous. Ouais, c'est un charbon piégé. Alors, on va se faire ceci. Voilà. On va les mettre à la place de ça. Pour mettre ça là. Donc on a eu le nouvel objectif. Ça s'agrandit un petit peu. On va pouvoir prendre ça, 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 ça. Hop, du coup, on va se faire un peu des torches. Je pense qu'on peut utiliser tout notre bois, hein, clairement. Mince, attendez, faut vite qu'on remonte. On va remonter maintenant tout de suite. Je peux pas remonter maintenant tout de suite. Vite, vite, vite. Il faut qu'on récupère les petites pousses d'arbres de tout à l'heure. Ah oui, ça sort pas là. Parce qu'on n'a pas récupéré les pousses d'arbres. Et si jamais on les paume, ce serait complètement con. Je vais y tomber. Là, on était en train de descendre par là. Ce serait bête de perdre nos seules pousses d'arbres. Même si on aura d'autres arbres à couper plus tard. Donc, mais bon, on va quand même pas jouer avec le feu. Et on va aller la chercher. Enfin, les chercher, j'espère.
On remonte ici. Hop. Ah bah voilà, une pousse. Oh, un creeper. Oh, il peut traverser la bordure. Oh le fou. Faut surtout pas qu'il explose. Voilà. Ok, donc les mobs peuvent traverser la bordure, intéressant. On va tout foutre là-dedans. On va continuer à faire cuire des petits trucs. Hop. Alors, est-ce qu'on a une autre pousse d'arbre? Clairement. Ah oui. Ici, on va regarder si j'en ai pas oublié. Non. On va casser les feuilles à la main du coup. Non, toujours pas. J'arrive pas à l'attraper celle-là. Celle-là, oui. Celle-là, non plus. Ok, on a 2 pouces, c'est pas mal. Alors ça c'est bon. Ça, on va le casser pour pouvoir faire pousser une autre pousse. Comment ils avaient fait pour faire pousser une pousse alors qu'il n'y avait même pas de terre? Bon, tant pis. Ah bah on a une graine, j'ai failli l'acheter, mais c'est cool. Faut pas qu'on jette les trucs parce qu'on risque d'en avoir besoin. On va prendre ça. Ça. On va remettre la neige ici. Faire ça, ça, voilà. Et voilà, on va pouvoir redescendre du coup, parce que c'est un peu dangereux ici, je vous l'accorde. Ok, donc on continue à descendre, la bordure s'agrandit, donc notre mine va s'agrandir aussi. C'est tellement long de tuer un zombie à l'épée en pierre. Alors là, on avait déjà tout pris, il y avait peut-être un livre, non, je sais pas, je sais plus s'il y avait des livres. Bon alors on va descendre ici en tout cas. Benjoul. Ah ok, un bébé zombie full or, ça va être super chiant. Ah ok, il meurt tout seul. Je comprends pas comment il fait, mais on va le laisser mourir. Ah non, casse-toi. Ah cool, un petit casque en or. Nice. Maintenant, on va essayer de buter ce creeper. On va le faire monter là. Ce sera plus simple de le buter. Non! Ou c'était juste? C'était très juste, les amis. Oh, 2 ragoûts de lapin, la bouffe que je n'ai jamais utilisée de toute ma vie dans Minecraft. Parce que c'est trop galère à faire. En plus, ça régène pas beaucoup de bouffe. Non, par contre, toi. Ce serait bien si elle pouvait nous donner un fil. Voilà, comme ça on peut se faire une petite canne à pêche. Ah ok, c'est... Non, il y a du fer là. Ah mais il y en a déjà. Ok. Hop. Donc du coup on va pouvoir faire un autre achievement. C'est cool. On va remonter le fer cuir. Je sais pas si on remonte le fer cuir ou si on amène notre four ici. Je sais pas quel est le mieux. Je pense qu'on va plutôt amener notre four ici, ce sera mieux. Et en attendant comme ça on va pouvoir miner ce petit charbon. Hop. Donc on commence à consommer un peu toute notre bouffe. Faut qu'on fasse gaffe. Donc on va remonter, c'est un peu chiant de remonter à chaque fois. Mais bon, tant pis. C'est bizarre parce que... Oh putain. Oh, merde, merde, merde. Oh, il y a les creepers qui arrivent et tout. Merde, merde, merde. Je suis dans la merde, les gens. Le monument! Non! Oh! J'ai dépassé. Ah non, je crois que j'avais cassé la bordure. Bon, tant pis, hein. On aura un peu sali le monument. C'est pas grave, hein. On enlèvera la neige du monument pour faire genre c'est normal. Ça par contre, bah tant pis, hein. Hop. Oh non, notre monument, il est déjà défoncé. Putain. Ah non, mais j'avais pas fait gaffe qu'il aurait pu y avoir autant de mobs. Oh là là. Ça commence mal. Il faut surtout pas traîner dehors la nuit. Parce qu'on peut pas empêcher le spawn des mobs. Donc tant pis, hein. Mince. On va essayer de remonter. J'ai perdu pas mal de vie. On va voir le système de régène de la 1.9 qui est totalement cheaté. Attention. C'est tellement cheaté ce truc. Ok, alors. Il faut juste qu'on prenne notre four. Bonjour!
J'ai vu le creeper. Faut qu'on tombe dans le trou, faut qu'on tombe dans le trou, c'est bon. Oh, oh. Il arrive. C'était très chaud, clairement, je savais pas s'il allait exploser. Soit je me prenais un gros creeper en pleine tronche, soit bah je le tuais. J'ai de la chance. Ok, ok, il y a le Enderman. Putain! Ok. On peut toujours pas l'ouvrir lui. Alors, on va se faire vite fait. On se casse. Ah, on pose ça. Et on se tire. Voilà. Non, on va mettre une petite torche. On a même deux petites torches parce qu'on est des petits fous. Et voilà, on va se casser. Je sais pas si... Ouais, non, c'est bon. Alors, du coup, bah, on va redescendre ici. C'est un peu chiant que ça ait tout pété. Tant pis, hein, les gens. Alors là, on est toujours bloqué par la bordure. Là, on tombe toujours comme un caca. On va prendre le charbon. Là, le fer, il est toujours trop loin. Ah oui, on en était au four. Donc le four... C'est bizarre parce que quand on le pousse... Oh, non ! Bon, tant pis. Oh, il y a de la canne à sucre là-bas. Non, bah, je voulais pas faire ça, mais tant pis. Bon, il a fait exploser un peu le truc. Alors, on va faire hop. On va faire cuire notre fer. Il n'y a plus l'air d'y avoir trop de minerais par ici. S'il y a du charbon ici. Il y a de l'eau là-bas qu'on pourra aller prendre après. Je sais pas ce qu'on pourrait se faire en fer pour avec 4 fers. Ce qui serait bien de faire. Alors déjà on va faire ça. Comme ça la bordure a grandi un petit peu. Ensuite. Succès. Je peux faire non. Non. Le 2 sniper. Qualité super. Je peux faire quoi? Je peux faire des rails, il faut que je trouve du diamant. Ouais, non, je pense que je vais me faire une pioche, les gens. Je pense que ce sera bien. Je pourrais me faire un seau aussi, je me le ferai plus tard. De toute façon, j'ai pas d'eau pour l'instant. Je vais garder ma petite pioche ici. Voilà, il me reste un lingot de fer. Et maintenant, on va retourner. Je crois qu'on pouvait prendre un coffre en haut, du coup. Peut-être qu'on aura quelque chose dans ce coffre qui sera utile. Oh, le temps passe super vite. On est déjà 23 minutes. Ok, donc du coup, on va pas prendre ce coffre. Bah, je vous le laisse pour le prochain épisode. J'ai envie de tuer cet Enderman pour finir. C'est pas... Non, non, tuer un Enderman, c'est trop dangereux. Du coup, on va le tuer de manière safe. Hop. Assez vite fait, j'ai pas trop le temps. Voilà. Mais t'es sérieux, là? Il s'est cassé. Je construis mon petit truc pour le buter, il se casse. Bon, tant pis. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que cette nouvelle série va vous plaire. Moi, en tout cas, je m'éclate bien à la faire. J'espère que, du coup, on va bien s'éclater en la faisant. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un j'aime, laisser un commentaire, comme d'habitude. À partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, bye bye.